The killer, la tueuse. Ouais, je suis debout. Bonnie! Debout, hein, du job! Ok. Attends, du calme, m'a dit. Laisse-moi. Oh, je peux me lever au moins. Allez, viens, on va déjà. Ok. Oh, ok, ouais, c'est bon, je me lève. Bon, allez, déjeunons. Une heure plus tard. Bon, c'est parti pour la job. Allons-y. On va mettre nos souliers. Au poste de police. Bon, on est arrivé. Oh, je savais bien que vous êtes là. Il s'est passé un meurtre dans un magasin de vêtements. Je sais pas trop comment ça s'appelle, mais bon. Il y a eu un homicide. Bah, une fusillade. Ah ouais? Ouais, vous pouvez y aller. La personne qui a vu la personne avant qu'elle meure, elle va vous expliquer tout. Après, on mène Nala au poste pour qu'on lui pose plus de questions. Ok, tout de suite. Let's go, les filles. Oh là là, c'est vraiment pas beau à voir. Ouais. Voilà la personne qu'on est supposé rencontrer. Ah, là, voilà. Ah, vous êtes là. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, je suis rentrée parce que j'ai dit à la fille que j'allais faire des courses. Et puis après, quand je suis arrivée, je l'ai vue morte. Est-ce que vous avez entendu des bruits ou quoi que ce soit? Oui, j'ai entendu une fusillade. Je pensais que c'était à côté parce que ça avait l'air d'être loin. Donc, je me suis pas dit que c'était ici. Ok. Quand la personne était encore vivante, et ça faisait combien de temps qu'elle était ici? Environ vers 16h30. Et quand je suis revenue, il était 17h. Donc, elle serait tuée entre 16h30 et 17h. C'est bon. La police va poser plus de questions. Nous, on est juste des enquêteurs pour venir enquêter. Ok. On va vous amener au poste. On vous posera plus de questions sur cela. D'accord. Suivez-nous. Ok. Ah, vous l'avez trouvé. Ouais. Restez là. On va venir amener d'autres enquêteurs pour qu'on vous pose plus de questions sur ces procès. Ok. Sûrement plus tard, on va... Les médecins vont nous donner des nouvelles plus tard. Bon, attendons. Ouais, non, pour l'instant, on devrait aller enquêter. S'il y a d'autres choses comme ça, on sait jamais. Dans cette ville, il se passe n'importe quoi. Bonnie a raison. On va rester à spectateur. Allez-y. Ok, allons-y. Je me suis saoulée. Vraiment? Ouais. C'est là où je me suis saoulée dans une baraque. Il y avait un gars pire fou comme moi, le bagarre là. Ça m'a vraiment choué. Ah merde, peut-être. Oh, Seigneur, Opéretta. Ben c'est pas la première fois que tu fais ça. On peut s'amuser un petit peu, non? Ouais, mais des fois, c'est pas trop évident. Tu sais, faut rester tranquille et pas trop saouler parce qu'on peut souvent avoir des accidents ou... Tu sais, on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver, tu sais quoi? Moi, ça m'est jamais arrivé de ma vie, donc pourquoi ça arriverait maintenant? Ouais, mais on sait jamais, ça peut toujours arriver, Opéretta. Je trouve que t'es trop... trop lousse. Ah ouais, c'est ça. Toi, tu veux juste pas... Bon, c'est ça, toi, tu veux juste pas t'amuser, tellement que t'es nul, moi, je m'en vais. Je vais revenir, en tout cas, je vais revenir. Je te suis. Donc, Hunter, c'est vrai, tu vois, je te dis, la semaine dernière, j'ai trouvé une super belle chaussure. En plus, c'est que tu m'as donné, ça va trop bien, ça, avec mon vêtement, j'adore. Mais Ash, pourquoi t'as autant besoin de chaussures? Genre, je t'en ai offert plein, genre, à Saint-Valentin et tout. Ouais, je sais, mais... Tu sais, j'aime ça parce que tu sais, je suis la fille de Cendrillon, alors... Tu comprends, c'est comme ça. Et j'aime les chaussures, donc tu sais, tu me connais depuis longtemps, on s'en revient ensemble depuis 5 ans. Ouais, je sais, mais quand même. T'abuses un peu. Hunter! Oh, excuse-moi. C'est pas vraiment ce que je voulais dire, mais... Je peux te comprendre, c'est vrai. Excuse-moi. C'est pas grave, chouchou. Bon... Je vais aller dehors un petit peu prendre l'air. Je reviens. Ok, alors. Ok, chouchou. Je reviens. Ok, à plus. Bah, attends. Est-ce qu'on est bien dehors?
Y a personne pour me déranger, on est super tranquille. Ah. Seulement, j'ai ramené une couverture pour me soulager parce que là. En tout cas, je vais m'asseoir là, comme ça ici. C'était quoi ça, putain? Toi aussi, t'as entendu? En tout cas, j'ai entendu du coup de feu. Oh mon dieu, je vais aller voir. Ok, je viens avec toi. Oh mon dieu, mais c'est Ashlyn! Oh non, qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être que quelqu'un lui a tiré dessus. Faut vite appeler les urgences. Ok, vite. Oh mon dieu, t'as entendu ça? Moi aussi, j'ai entendu, mais attends. Attends, moi. Moi aussi, j'ai entendu, mais c'était quoi ce bruit? Souvent une fusillade. Attends, allez-moi. Ok, ouais. Appelle les c'était urgences. C'était vraiment une fusillade. Appelle les urgences. Ouais. Oh merde. Et merde alors, notre fusillade. Mais qu'est-ce que c'est? Je comprends vraiment pas. Mais bon. On ferait mieux de surveiller les rues. On ferait mieux de faire qu'est-ce qu'on faisait tout à l'heure parce que. C'est vraiment pas normal. Hein? Ça fait 7 personnes. Ça commence vraiment à m'inquiéter. Moi aussi. Moi aussi. Bon, appelons les urgences. Vite. C'est vraiment inquiétant. Je comprends vraiment pas. Moi non plus. À mon avis, ça doit être un tueur. S'il y a déjà eu 2 meurtres, là, c'est pas normal. Balle par terre. T'as trouvé quoi? Une balle, ouais. Du sang dessus. Le tueur doit être sûrement armé de fusil, c'est sûr. Il y a du sang dessus. Maddy, c'est sûr qu'il y a du sang. Bon, vous mettez dans ton sac. Ouais, on va le garder comme preuve. Bon, l'ambulance devrait pas tarder. Ah, la voilà. Encore d'autres personnes mortes? Ouais, on a entendu des coups de fusillade sur la 13e avenue. Oui. C'est pas normal, ça fait déjà 2 homicides. À mon avis, le tueur est pas loin. Vous devez rester en position pour la voir. Ouais, tout à fait. Bon, on retourne en patrouille. Tout le monde a l'air a été tué par balle. Oui, Laguna, ça on avait découvert. Bon, allons-y. Oh là là, quelle journée, putain. Ouais, m'en dis pas. Surtout tout le travail que j'ai fait pendant toute la semaine. Ah ouais, t'as fait quoi? Ben, j'ai aidé ma mère, là, on préparait les affaires des copes et tout ça. Ça peut être vraiment chiant, là. Ouais, moi, papa, j'ai fait pire que ça. Ouf. Ouais. Sinon, moi, j'ai fait plein de travail, ça a été barbant toute la semaine. Oh, putain. J'étais plus capable. Je suis comme tannée et puis ça m'agace, là. J'ai fait tellement de travail, en plus, surtout que moi, je suis vendeuse, donc... Parfois, le travail, c'est dur et long, là, puis je dois toujours me concentrer et être de bonne humeur, même si parfois, ça ne tente pas. Puis les gens sont comme fucking bêtes. Ah, je te comprends, là, they are always like, oh my gosh, oh nanana, oh my gosh, you're so long, gonna serve me, whatever, I don't care about you, I don't want to church, whatever. Des gens, des trucs comme ça, là. Oh, c'est vraiment énervant, là, je te jure. M'en parle pas, parce que moi, c'est tout le temps désagréable. Mais bon, sinon, ce que j'aime de ma job, c'est qu'ils payent vraiment cher. Donc, ça, c'est vraiment plein. Oh, la chance. Moi, si j'avais un travail comme ça, là, ce serait trop cool. Ouais, à part, tu sais quoi. Ouais. C'était quoi, ça? Je sais pas. Je vais aller voir. Ok, vas-y. Allô? Y a quelqu'un? C'est
bizarre. T'as entendu? Yo, c'était quoi ça? Je sais pas. Allons voir. Oh non, Gigi. Merde. Elle a été tuée par balle. Je viens chercher mon téléphone. Ok, ouais. J'ai le téléphone. Qui êtes-vous? Oh merde, encore! C'est vraiment pas normal, on a affaire avec un tueur en série. Mm-hmm. Bon. Attends. Oh, je vais aller chercher s'il y a des preuves. Ok, ouais, faut toujours tiquer. Appelle l'ambulance pour l'instant. Ok. J'ai trouvé deux... Alistair? Oui? J'ai trouvé deux choses. Une mèche de cheveux et un téléphone rempli de sang. Mèche de cheveux. Elle est noire. Il n'y a aucune personne qui a les cheveux noirs ici. Ça doit être sûrement notre tueur. On va aller l'analyser au poste. Mais pour l'instant, il faut que... Bonnie, t'as passé le téléphone? Ouais, ils s'en viennent. Okay. Nous voici. Bizarre tout ça. Ouais. J'espère qu'on va finir par régler ça parce que ça commence vraiment à m'inquiéter. Si le tueur a tué aussi autant de personnes, c'est parce que il sait ce qu'il fait. Il est pas malin. Et il est malin, je veux dire, c'est pareil. Je sais pas. Quelqu'un veut du thé à baigner? Ah oui, s'il te plaît, m'a dit, ça serait gentil. Oui. J'adore le thé. Oui, on savait, m'a dit. Bon, une petite rondeur pourra pas me déranger un peu. Quoi ça? On mangera plus tard. Ouais, allons-y. Oh non! La reporteuse, merde, et la secrétaire ont été tuées. Par des coups de feu en plus. Ouais, c'est-à-dire que le tueur est là. Restons en garde. Ok. On va aller voir un peu partout. Il faut pas se séparer. Ah, je vous ai trouvé. Les personnes que j'attendais depuis tout ce temps. C'est elle. Eh oui, c'est bien moi. Je vous ai observé pendant tout ce moment. Et vous êtes rendu compte de rien. Je vous gardais pour la fin, pour assévir ma vengeance sur les policiers qui ont laissé comme ça. Un crime qui s'est passé il y a très longtemps, que je ne veux pas en parler. Maintenant, vous allez crever. Le fusil! Mets-toi à lapin. Bonne idée. Merci. C'est terminé. Tout ce que t'as à faire, c'est te rendre. Parce que sinon, je n'hésiterai pas à appuyer sur la détente pour tous les meurtres que t'as fait. Tu mériterais même pas de vivre, espèce de monstre.
qu'ils m'ont eu. Allez, debout. T'es en état d'arrestation. Et t'as surtout le droit de garder silence. C'est bon, on l'emmène? Ouais, emmenez-la. Je me vengerai. Je me vengerai. Ouais, c'est ça, ferme ta gueule. Une semaine plus tard... Allez, mange une bonne carotte, Bonnie. Gouffe cette carotte. C'est bon. J'avoue, elle est très bonne. Bon, en tout cas, les filles, on a tout réglé. Maintenant, plus de crimes, plus de dangers. On peut être enfin tranquille. Il faut qu'on trouve une autre réceptrice. Ah ouais, c'est vrai. Mais bon, on a réussi le crime, plus personne pourra nous embêter maintenant. Ouais. Let's go, like this, the bitch. Ow. My face, non, c'est moi qui dois être la star ici. Non, c'est moi la star, non, c'est caché, moi la mais... star. Non, ouais. Arrête, mais dégage. On t'a jamais demandé de venir, dégage. Eh merde. Oh merde. Dégagez. Non, c'est nous la star.